je m'appelle Bénédicte Dufour, je suis chargée d'animation à la Solidarité internationale au Secours catholique et je suis partie comme volontaire avec la DCC entre 2006 et 2008. J'étais située donc dans une ville au nord du Burundi qui s'appelle Ngozi, dans l'université de Ngozi qui a été fondée à la fin des années 90 en contexte de guerre civile. Et j'étais chargée des enseignements de traduction français-anglais. J'ai eu la chance d'avoir des étudiants qui m'ont dit à la fin de mon volontariat que j'avais été une enseignante différente, qui portait pas forcément les costumes que les autres portaient, qui se déplaçait en taxi-vélo, ce qui est pas forcément très bien vu. Enfin, ma position sociale devait faire que je devais me déplacer en voiture, par exemple, et moi je tenais absolument à être à pied, à être en taxi-vélo, à prendre le temps aussi de rencontrer les gens. Donc ça, je crois que c'est vraiment sur cet aspect-là, au-delà en fait d'une pédagogie différente et puis de sujets différents que je pouvais traiter avec eux, c'est aussi la façon d'être qui était différente en fait et qu'ils ont surtout retenu a priori. Dans le volontariat, je crois que c'est vraiment ouvert à tous. Parce que c'est une démarche profondément humaine, c'est l'expérience de la rencontre. Et ça, je pense qu'il n'y a personne qui n'ait pas le droit à ça, qui n'ait pas la capacité de vivre ça. C'est à partir du moment où on est prêt, où on se désencombre de pas mal de choses, on est prêt à une rencontre. Un peu à nu, je pense qu'on peut vivre un très bon volontariat et ouais.